Good morgen, allez Yiden, les tisra aujourd'hui, le Lunishmat, Avraham, Mordechai, Ben Yitzhak, Befani, Dvora, Batester, et David, Ben Fortuna, Fritna. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Maserhet Ktuvot, Perek Bet, Mishnah Gimel. Haedim, Shamru, Ktav, Yadenu, Uze, Avalanusim, Ainu, Ktanim, Ainu, Psulei, Edut, Ainu, Arei, Elu, Neemanim. Dim, Yesh, Edim, Shu, Ktav, Yadam, Oshaya, Ktav, Yadam, Yotsim, Makom, Acher. Einan Ne'emanim. Dans les Mishnah précédentes, on a parlé du sujet de péché Assar ou à péché Itir, le Migo. Mais c'est un Migo un peu plus perfectionné. De manière générale, lorsque il y a des situations où, si j'affirme des choses, elles m'engagent. Et une fois qu'elles m'engagent, je ne peux plus faire machine arrière. D'abord, ça, peut-être qu'il faudrait commencer par là, d'ailleurs, pour bien présenter le cours. Expliquer tout d'abord, lorsque je, par exemple, imaginez, je viens apporter un témoignage. Il y a une grande grève dans le témoignage, une fois qu'on est témoigné, on ne peut plus revenir en arrière. Ce que tu as dit, on le prend à d'assaut, jusqu'au bout. Même si je suis parti porter un faux témoignage, par exemple, sur Réhouven, qu'il faut le tuer. Et une fois qu'on a décrété qu'on allait le tuer, d'un coup, je suis rempli de remords, j'ai fait la bêtise de ma vie, que je veux dire, je jure par tous les noms que c'était une erreur et que j'ai voulu me venger, mais en fait c'est pas vrai, il l'a pas tué, c'est trop tard. On peut pas, vous comprenez bien que quand on veut faire un mishpat, on est obligé d'établir que même une fois que tu as dit une chose, ça prend une valeur de 100%. Et on peut plus rien faire contre, et on va prendre les personnes, avec moins d'un il y a une histoire, on va prendre maintenant le témoignage et on va aller tuer la personne avec. Parce que si on a pris le témoignage, on l'a retourné dans tous les sens, on a vérifié que c'était vrai, que ça se tenait debout, tu as dit un mensonge trop bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas se fonder. Nous, le monde, il fonctionne selon ce qu'on voit. On ne voit pas dans les cœurs, on voit selon les paroles, selon les propos. Tu ne risquais pas à prouver que ce que tu t'es apporté. On n'a plus rien à faire, on va tuer la personne. Par exemple, ça c'est quand c'est pour une condamnation à mort, c'est la même chose s'il faut frapper quelqu'un, ou même aussi pour l'argent. C'est une règle générale d'abord. Ouais, Kevan Shehi guide, Shuv et Nochoser Omo guide. Une fois qu'on a déclaré une chose au Beddin, on ne peut plus faire machine arrière. Ça, c'est un élément de base. Lorsque, maintenant, on a des témoins qui signent sur un contrat, alors, il y a une halakha qui nous dit que, pour signer sur un contrat, on signe, Reuven ben Yaakov, Shimon ben Yitzhak, ils sont tous les deux témoins que tu me dois 100 000 shekels. D'accord? Donc maintenant, j'ai deux témoins ici signés. Je ne vais pas au Beddin et je récupère directement mon argent. Parce que qui a dit qu'il y a eu réellement Reuven ben Shimon et Yitzhak ben, je ne sais plus ce qu'on a dit, qui ont réellement signé. Peut-être que c'est moi qui ai pris un stylo qui a créé une signature. Donc quand on a un shtar qui sort au Beddin, il faut faire un kiyum shtarot. Il faut être mekayem shtar, il faut le valider. Comment? Il faut que deux témoins viennent et disent « Je reconnais la signature de Reuven et la signature de Shimon. » Deux témoins qui viennent et qui affirment, qui reconnaissent donc la signature. Ou encore, nous, au Beth Din, on sait que Reuven et Shimon, ils ont aussi signé sur un autre contrat qui a déjà été certifié au Beth Din. On prend, on compare les signatures, on remarque que c'est exactement la même chose. Vous savez, avec les professionnels de les graphologues, ils sont capables de réaliser est-ce que réellement c'est la même signature, même si on va faire la même forme. Mais si vous faites attention, il y a là ici, là, il appuie plus, il appuie moins, on va réussir à finalement reconnaître est-ce que c'est réellement sa signature ou pas. Ça, c'est une donnée générale. Donc en fait, on a quelque chose de particulier. Un shtar, lorsqu'on a un contrat, il y a deux signatures en bas. La signature, ce ne sera un bon témoignage que lorsqu'on aura des témoins qui signeront, ou encore même mieux, les mêmes personnes elles-mêmes qui viennent au Bénin, qui disent « c'est nous qui avons signé, souvenez-vous ». Ouais, ils sont de passage dans la ville, Reuven et Shimon, ils font un petit crochet au Bénin, ils disent « attention, c'est nous qui avons signé, on doit partir, mais souvenez-vous que c'est nous ». Le Bénin va certifier, il va faire un henpek, si ça vous intéresse. Il va donner un tampon dessus, qui va nous dire « ça y est, ça a été certifié, on va faire signer les dayanim ». D'accord? Ça, c'est des données générales. Deux points, je vous ai dit, donc, Kevan Cheigid, Shuman Khoser Omagid, lorsqu'une fois qu'on a dit un témoignage, on ne peut plus revenir en arrière. Mais aussi, je vous ai aussi dit que quand on a un contrat, alors même si on a signé un contrat, il faut certifier les signatures pour qu'on puisse utiliser le contrat pour ensuite l'utiliser. Une fois qu'on certifie, on l'utilise. D'accord? Ce qui se passe, c'est que maintenant, dans notre méchant, on va parler d'un cas original. Il y avait un contrat avec la signature de Reuven et de Shimon. On demande à certifier les signatures de Reuven et Shimon. Et puis, il y a Reuven et Shimon qui viennent en personne et qui nous disent « Attention,
Avant que je parle, je vais d'abord vous raconter quelque chose. Cette signature-là, c'est moi qui l'ai faite, mais je l'ai faite par erreur. C'est-à-dire, il va venir en même temps, il vient témoigner que c'est lui qui signe, mais en même temps, il invalide aussi sa signature sur le même moment. Si, d'abord, peut-être qu'on va d'abord préciser quelque chose. Si Rouhani vient, il dit c'était ma signature. Le lendemain, il vient nous dire c'est vrai que c'était ma signature, mais j'avais un couteau sous la gorge au moment où j'ai signé, parce qu'on m'a forcé à signer, mais en fait, c'est du bluff. Il ne peut pas témoigner de la sorte. C'est trop tard. Dès que tu as ouvert la bouche, tu as dit que c'est un bon témoignage, tu as dit que c'est ta signature, on prend ton témoignage et on avance avec. Après, tu viens de me raconter des histoires. Tu viens de nous raconter qu'en fait, quand tu avais signé à l'époque, tu avais un couteau sous la gorge. Bah, pourquoi tu ne l'as pas dit hier? C'est trop tard. Mais si tu le dis sur le moment, au moment où tu viens, tu témoignes, alors là, on va accepter ces paroles. Parce que à péché à Sar ou à péché à Itir, la bouche qui a interdit et la bouche qui permet. Ou la bouche qui va valider, c'est aussi la même bouche qui invalide. Donc si tu le crois jusqu'au bout. Il a dit tout ça dans une phrase, tu ne coupes pas ses paroles en disant bon, je prends le début, je ne prends pas la suite. Tant qu'il a dit dans une même phrase, tu es obligé de prendre le tout. C'est le principe général d'abord, avant de rentrer dans tous les détails. Peut-être que maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire vite fait maintenant le Mishnah en vous donnant une allure, en donnant l'allure à la Mishnah, puis après on reprendra dans les détails pour comprendre l'ampleur de tout ce qui est écrit et chaque cas, comment il se présente. Aïdim Jamrou, des témoins qui viennent et qui nous disent Ktaviadenu, c'est notre écriture, c'est notre signature. Aval, Anusim, on était forcés, on avait un couteau sur la gorge, on l'a dit. Ktanim, en fait, on était petits, on avait 12 ans. Ou encore Psuleedut, nous étions des Psulim, hein, des gens invalides pour témoigner. On était des proches parents. C'est vrai que c'est ma signature, mais j'étais témoigne sur un contrat pour mon frère, je ne peux pas témoigner. Dans tous ces cas de figure, Aré et Loun et Manim, ils seront crus. Pourquoi? Selon le principe de la Mishnah précédente et tout ça, que si le shtar il était bon, il n'était pas bon, je me serais tué complètement, puis il serait resté invalide complètement. Donc si je viens, je parle, à péché à Sar ou à péché à Tir, la bouche qui est interdite, c'est la bouche qui va permettre aussi. Maintenant, Vim Yachedim Shuktav Yadam, mais si toutefois il y a des témoins que c'est leur écriture, ou encore Oshaya Ktav Yadam, Yotsemima Komacher, où il y avait encore des Ktav Yadam, leur écriture, leur signature, qui sort Mima Komacher, d'une autre source, ça veut dire qu'en fait, nous, Bedin, Reuven et Shimon, oh, on a un contrat de Reuven et Shimon qu'on a déjà certifié, amenez-moi le contrat, on compare la signature, on voit que c'est exactement la même chose, c'est la même signature parfaitement, et bien dans ce cas-là, Einan ne Emanim, ils ne seront plus crus. Parce que cette fois-ci, à partir du moment où on a le témoignage que c'est, on est capable de prouver, de certifier le contrat sans leur bouche, on n'a pas besoin de leur parole. Dans ce cas-là, le contrat, on le certifie sans vous. Dès que vous avez témoigné, vous ne pouvez plus venir invalider votre témoignage. Parce qu'une fois qu'on Kevan Shai guide, je vous mets un ma guide. Dès qu'on a dit, on a raconté quelque chose, on ne peut plus revenir et raconter autre chose. Ça, c'est, voilà la Mishnah, vous l'avez compris. Maintenant, il faut rentrer un petit peu plus dans quelques petits détails. À savoir, il y a un petit sujet qui se passe en fait entre les lignes, comme il nous le rallonge le Barthénora au début, en nous disant que quand il y a écrit Anosimaenouk, alors, il y a une grande règle. Vous avez déjà entendu parler de la En Adam Messim Atzmo Racha. Un homme ne peut pas témoigner sur lui qu'il est un rachat. C'est-à-dire, c'est tout un sujet, comment le faire exactement. Je vais prendre un exemple grossier. Il y a ici du vin, on ne sait pas ce que c'est du vin cachère ou c'est du vin pas cachère. Et moi, je vais venir, je vais vous raconter, ce vin-là, il était initialement cachère. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai eu un moment là avec la fête, le petit papa barbu, et son boléro rouge. Et ben, j'ai voulu, je l'ai sacrifié à la Vodazar. Donc en fait, le vin, il est devenu du vrai Yaïd Nesser. Moi, je ne suis pas cru. Pourquoi? Parce qu'un homme, il ne peut pas témoigner sur une chose qu'il a fait de manière interdite. En Adam Simasmo Racha. Puisque pour pouvoir témoigner que ce vin est devenu interdit, tu dois nous raconter que tu as fait de la Vodazara. Nous, on ne peut pas t'entendre sur toi que tu racontes que tu as fait de la Vodazara. D'accord? Après, tu peux raconter que ce vin-là, c'est un vin qui a été offert par un juif à la Vodazara, en pensant que c'était toi, mais sans nous dire que c'était toi. Mais si tu nous dis que c'était toi qui as fait la Vodazara, on ne peut plus te croire. Parce que dès que tu parles de toi, tu n'es plus cru. Un homme, il ne peut pas témoigner sur un avéra qu'il a fait. Et ça parle très longuement dans le chasse. Des fois, on va couper les paroles en deux, des fois, on ne va pas couper les paroles en deux. C'est un très vaste sujet. C'est fréquent. On ne peut pas entrer en détail, sinon ça va faire trop long. Mais c'est le principe général. De ce fait, maintenant,
Là, quand il y a marqué qu'on a été forcé, je vous ai dit qu'on avait un couteau sous la gorge, c'est spécifiquement parce qu'on avait un couteau sous la gorge. Mais si toutefois, je dis j'étais forcé parce qu'en réalité, il me devait 100 000 shekels. Et si je signais pas, eh ben, il me les aurait pas rendus. Donc j'étais anous mahmat mamon. J'étais forcé à cause d'un problème d'argent. Un problème d'argent, il fallait que. J'avais pas le droit. Je n'avais pas le droit de signer sur un contrat que Réhouven, il doit de l'argent à Shimon et qu'il lui doit 100 000 pour moi récupérer mes 100 000. J'ai pas le droit de le faire. Pourquoi est-ce que je perde lui-même 50 000 pour que moi je gagne, je perds pas 100 000. Ouais, j'ai pas le droit d'utiliser, de brûler l'argent de Réhouven pour moi sauver le mien. Si j'ai fait ça, j'ai témoigné à faux. Donc maintenant, je peux pas raconter que j'ai cédé à la pression d'argent. Parce que je peux pas raconter sur moi que j'ai fait une avéra d'avoir signé, d'avoir cédé à la pression d'argent. D'accord? Donc je suis pas cru. Et de ce fait, on va valider le certificat. Et voilà, il devra récupérer mon argent. Si lui, il a des remords, il n'a qu'à payer parce qu'il aurait fait un gramma à cause de lui. Il aurait perdu de l'argent. Mais en tout cas, il a pas. Nous, on ne pourra pas le croire s'il nous raconte que c'est pas bon, d'accord? Donc, Anousimainu, c'était spécifiquement avec le couteau sous la gorge et pas une menace d'argent. Ktanimainu, bien sûr, on était petit, parce qu'on était un témoin, il doit nécessairement avoir 13 ans. Et lui, il nous raconte qu'en fait, il avait 12 ans quand il a signé. Bon, alors là, on le croit, il se fait pas rachat. Par contre, Psoulé et Doutainu, on était des gens psoulim. Alors ça dépend de ce qu'il nous raconte, on était des témoins invalides. C'est spécifiquement que parce qu'ils nous disent qu'ils étaient invalides, parce que. Invalidés parce qu'ils étaient des proches parents. Mais s'ils nous disent qu'ils étaient invalidés parce que c'était des Mechalel les Shabbat, mais depuis ils ont fait Tchouba, tu peux pas témoigner sur toi qu'à l'époque tu étais un rachat. Un Adam et un rachat. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, Sela.